Salut, je m'appelle Swan Valenza et je suis en troisième année à MOPA. J'ai connu MOPA en allant à une projection en 2016 au Théâtre Antique. On m'avait déjà parlé de l'école auparavant et c'est là que j'ai vu pour la première fois les travaux. J'avais vu certains films comme Garden Party par exemple. Vu que c'était la première et qu'elle m'avait vachement impressionné, elle m'est restée dans la tête après. C'était un peu mon choix de cœur, quoi. En première année, du coup, on fait beaucoup d'art plastique. On dessine beaucoup, on peint, on fait des sculptures en argile. C'est à partir de la deuxième année qu'on attaque la 3D, qu'on apprend les bases des logiciels. Et en troisième année, on commence à vraiment s'en servir en autonomie avec le film de troisième année, qui est l'exercice le plus complet, selon moi, à MOPA. Je pense que tous les petits courts-métrages qu'on fait, c'est des souvenirs forts, encore plus ceux en groupe, parce que du coup, on a vraiment des souvenirs de nuit passées sur le film, entre potes, à rigoler, mais en même temps à bosser comme des fous. Donc ça, je pense que c'est les souvenirs les meilleurs et les plus marquants que j'ai à l'école. Si j'avais un conseil à donner à des étudiants qui veulent rentrer dans l'école, je pense que ce serait de vraiment essayer de maîtriser les arts plastiques le plus possible, le crayon, la peinture, parce que c'est des bases vraiment, vraiment importantes pour la 3D ensuite. Et une fois qu'on passe sur le médium de la 3D, le talent qu'on avait avant, il n'est pas perdu, il est amplifié plutôt, quoi.